Incolo Horror Show. Et oui, messieurs, dames, il va falloir qu'on y retourne. Bienvenue, les amis, pour une nouvelle vidéo sur The Forest. Et attention, en VR. Vous avez vu l'heure? Il faut aller dormir, messieurs. Regarde, petite mouette. Je te présente ton nouveau copain. Oh, arrête! Oh merde, je suis pas bon niveau santé, les gars. Je suis pas bon niveau santé. Ah ouais, j'ai pas de soins. J'ai absolument aucune santé. Je peux rien manger en plus, frère, j'ai rien à manger. Ah si, attendez. Oh, attendez. Yes. Et ça, ça fait cocktail de santé. Je suis un boss. Ok, du coup, cocktail de santé, je mange. Et bien voilà. Et là, on régène. Oh là là. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, c'est vrai, on continuait la maison. Alors, regardez un petit peu, les amis, parce que du coup, n'hésitez pas à regarder ma première vidéo sur The Forest en VR si ça vous intéresse. Mais avec Arthur, on avait commencé une petite maisonnette, là, plutôt sympa, en vrai. Plutôt coucounet. Bon, faut pas faire attention au feu, hein. Bonjour, y'a personne? Y'a pas l'air d'y avoir du monde. Et en plus, Arthur, il se met bien, parce que je suis en train de jouer sans lui, c'est une chose. Mais quand il va revenir, la maison, elle sera finie. Il sera tranquille, quoi. On n'aura plus rien à faire de relou. Sans deck. Voilà. Ok. Je suis vraiment pas serein d'être tout seul, hein. Hop. Et hop. On n'a pas encore de toit. Toi, toi, mon toit. Mais au moins... au moins, on est barricadé, on est safe. Les gars, je suis parano d'être tout seul. Je suis vraiment parano. Je vais refermer derrière moi. Attendez, je peux pas fermer la clé? Si. Voilà. Là, au moins, je me sens tranquille. Parce que là, il y a personne qui peut venir, là, en vrai. Et là, vous voyez, en fait, on s'est installé juste en face d'un camp indigène. Ce qui est une très mauvaise idée. Mais on aime bien un peu la provocation. Hop, et voilà. Et attendez, parce que là, je vais terminer de construire l'étendoir. Et je vais pouvoir placer... alors normalement j'ai pas de bouffe sur moi. Pivoter. Non, ça c'est le... arrête. Ouais, j'ai que des cadavres humains sur moi. C'est un peu glauque, hein. Il faudrait que je chasse. Ah ouais, comme ça c'est pas trop mal. Et il faut combien de bûches? 68. Il me faut 68 putains de rondins là. Non, t'abuses. J'entends des bruits. Oh non. Oh non. Il y a des indigènes. Il y a des indigènes devant la porte. Alors attendez. Attendez, j'ai peur, je sauvegarde. Ah bah voilà. Le jeu est quand même plus beau. Putain, depuis le début, j'avais pas les bons paramètres. Et le jeu est quand même plus joli là. Je suis vraiment débile, hein. Et je suis sûr qu'en vrai, on va voir les indigènes. Et avant, on les voyait pas. Je suis sûr qu'il y en a juste à côté, frérot. J'aime pas ça du tout. Finalement, c'était bien quand la qualité était pas folle. J'ai trop peur tout seul. C'est une dinguerie. Ouais, mais les gars, en VR, franchement, je vous jure, ça... ah ouais, du coup il pleut à l'intérieur. Ouais bah ouais, normal. Bon, putain, en fait ce qui serait génial c'est de faire un accès en bas, mais en passant d'ici à l'intérieur, tu vois. Mais le problème, on a déjà essayé de... vous l'avez pas vu, mais on a déjà essayé. Et c'est... on a tout foiré. Voilà, je vais réessayer, mais... en bas là. Voilà, on a un petit trou. Bon, mais ça suffira pas. Si je me retrouve bloqué, on a l'air con. Dès qu'on aura des plantations en bas, on va être trop bien. Donc là, je vais les jeter en bas, d'accord? Nicolas, n'oublie pas que c'est qu'un jeu et que personne ne peut t'attaquer dans la vraie vie. Ça peut faire peur, ça peut surprendre, mais c'est qu'un jeu. Il n'y a personne dans ta chambre. Voilà, on en a 4. Et vous savez ce qui est rigolo? C'est que je peux pas mettre pause. Je peux pas mettre pause au jeu vu que je suis en multijoueur. Je suis sale, mais je suis en multijoueur, je peux pas mettre pause. Donc si je me chie dessus... en voici 8. Et comment tu respires? On dirait je me fais monter, frère, arrête. Ok, allez, on ferme la clé. Ferme la clé. Voilà. Et on va voir, c'est qui tout double, hein. C'est qui tout double? Tout n'est que spéculation, mais ça devrait suffire. Tac. Je jette. Hop.
Il en faut 14, je crois qu'on est bon. Oh, je crois qu'on est bon, allez vas-y. Allez, on y croit. J'avais tout pile le nombre. Oh là là, j'ai de la chance hein. Parce que là les bûches là-bas je peux pas. Si elle je peux la récupérer. Mais, oh si c'est bon. Attends, elle, je peux pas la récupérer elle. Bon mais dans tous les cas, dans tous les cas on est bon. D'ailleurs je vais remonter ces bûches là. Oh là là, et là on peut monter. Attends, c'est bon. Il suffit de s'accroupir, ça passe. Et bah voilà. Merde, je suis retombé. Je suis débile. C'est pas grave. Allez, on s'accroupit, on fait gaffe là. Allez, monte, monte, monte. On évite de tomber là. Ouais, il y a un petit trou là, c'est con. Là, on peut faire le meuble. Voilà. Ok. Du coup, attendez, je vais juste mettre mes soins pour Arthur. Là, je lui fais cadeau. Vous mourrez de soif, ok. Sacrifice. Bois. Bois. Voilà. C'est bon, t'es content? Magnifique. Vas-y, prends la viande. Voilà. On va se faire un bon petit gigot d'agneau là. Allez, monte, 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 monte. Oh. Allez, 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 ferme, ferme. Allez, ferme, ferme, ferme. On allume. Ah bah oui, voilà, il suffisait d'être plus proche. Voilà, et hop, voilà sur le feu, magnifique. Oh la vache, c'est pas facile hein. Mais c'est trop frère, dégage là, putain. Dégage, pourquoi ça part pas ça, cette merde là, putain. Pourquoi ça vole? C'est trop, c'est trop. Bon après on va peut-être pas s'installer là définitivement. Mais c'est histoire d'avoir un accès safe en bas. Et là on va pouvoir se faire un... On va pouvoir se faire un petit jardin. Oh putain, il y a de la lumière là-bas. Éteins, éteins, éteins. Oh punaise. Venez pas par là hein, s'il vous plaît hein. Partez. Ou sinon moi je... Attention hein. Kung Fu frère. Bon il a l'air tout seul. Oh putain. Un peu angoissant. Du coup le jardin, on fait un petit jardin ou... Ou on fait pas de petit jardin? Hop, voilà, on va se faire un petit jardin. Comme ça on va se faire vraiment de la bonne bouffe. 8 rondins et là on a un beau petit jardin. On pourra mettre des baies. On pourra mettre voilà, de l'aloe vera. Je suis vraiment mais vraiment pas serein pour le coup. Ils sont dans leur camp. Bon ils ont bien raison. D'ailleurs je peux les observer moi. Ah ouais regardez. Ah on peut les espionner un petit peu là. J'ai l'impression d'être une grand-mère. Vous avez vu l'heure? Vous avez vu l'heure? Il faut aller dormir, messieurs. Je vous vois là, madame, avec les seins à l'air. Si vous voulez venir, vous pouvez. Là, un oiseau. Donnez-moi vos plumes. Je vais pas vous faire de mal. Voilà. Plume. Voilà, j'en ai une. C'est abusé, ça. Oh yeah. Là, là, les plumes. Là. Les plumes. Merde, je peux pas. Magnifique. Et là les gars, je vous présente mon arc, je vous présente ma flèche. Ouais les gars, on a tout déforesté, je suis en train de me rendre compte, il n'y a plus d'arbres du tout. Incroyable. Et donc là, hop, je prends ma flèche, hop, je bande l'arc, et... Attends, je vais pas tirer trop loin. Oh, eh, c'est vachement précis, eh. Vous voyez la mouette là? Oh merde. Alors, c'est précis, mais moi, je suis pas précis. Vous la voyez, elle? Ah, putain, juste au-dessus. Attendez, il faut que je m'entraîne. Hein. Ouais! Les plumes! Les plumes, les plumes! Voilà. Magnifique. Il faut qu'on soit irréprochable. Alors, regardez bien. Ça va aller très vite. Allô? Et d'ailleurs on peut faire ça comme ça, regardez bien. Parce que je suis un expert. Aïe! Je me suis cogné dans la vraie vie. Eh? Ça va frérot? Je suis Harry Potter. Je suis Harry Potter, je vous fais des tours de magie. Regardez, ça va être un sans faute. 3, 2, 1. Oh la vache! Je l'ai dit hein! Je l'ai annoncé le sans faute hein. Et en plus je lui ai tiré dans le cul hein. Regarde petite mouette! Je te présente ton nouveau copain. Regarde, c'est ton copain. Oula! Oula! Mais faut pas s'énerver non plus! Oh! Arrête! Oh la vache! Ils font un rassemblement! Alors je suis désolé, mais j'ai faim. Donc désolé, mon frère, mais. J'ai vraiment faim pour le coup.
Je m'acharne un peu mais j'ai vraiment faim. Voilà, il faut manger. Et du coup, attendez, parce que j'ai vraiment faim, c'est pas une vanne. Putain, j'ai vraiment la dalle, je suis en train de crever mon pote. Attendez. On va se faire un... Tu crois que je peux ? Magnifique. Oh oui ! Oh ! Voilà, les petites côtelettes là. Mmh, ça c'est pour toi Arthur. Tout ça c'est pour toi Arthur. Oh, tu sais quoi, je vais quand même mettre sur... sans tomber. On va mettre sur l'autre étendoir les crânes parce que... J'en ai marre d'avoir ça sur moi. C'est dégueulasse. Hein. Pas très hygiénique. Voilà ! Voici le butin. Et donc en bas le jardin et tout. Ah là vraiment on est pas mal. Hein. Messieurs, dames, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais pas si j'ai des marques autour des yeux, si ça se voit ou pas. Ce qui est sûr c'est que je viens de me rendre compte que je viens de passer plus d'une heure sur le jeu. Et c'est terrifiant. Avec Arthur on a passé, et quand je dis 3 heures je suis pas sûr, on a peut-être joué 4 heures, je sais plus combien de temps on a joué avec Arthur, mais on n'a pas vu le temps passer, là non plus. Les petits pouces bleus vraiment si vous avez kiffé cette vidéo, et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures, c'était Mkolo, plein de bisous, ciao tout le monde.